la communauté et avec le client final. Ce n'est pas lui. Il ne sait pas ce qu'il y a. D'accord ? Il y a un entier en tant que community manager qui est en charge. Je suis parti de la porte. D'accord ? Oh, mais je suis cool. Il y a ce qu'il y a ici, ce qu'il y a ici. Ça marche, ce qu'il y a ici. D'accord ? Après, il y a un jour où il y a un de préférence. Je cherche le professionnalisme, comme l'expérience, comme je trouve le lait. Là où les recommandations internes, où on croit que cette stratégie-là ne pourra pas marcher. D'accord ? Sinon, pour le client, il est hors de la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ok, c'est un client, je vais où ? Elle a un chati comme notoriété, elle a un chati comme engagement, elle a des conversions, il va cliquer et acheter, ou elle arrive chez le magasin, elle arrive. Mais ça, c'est qui ? Pour un community manager, c'est la cible, d'accord. Donc moi, si je vais communiquer, je dois avoir une cible. C'est quoi la base? Aujourd'hui, ma cible de communication, c'est pas la cible des Kinderbell, fait marketing classique. Ma cible, ce qu'on veut dire là, c'est que la cible, elle est informée, d'accord. La cible, elle a la possibilité de prendre une décision. Hein? La cible, Terry. Le clic et partage. Le clic et partage, c'est ça. Qui ménage les choses les choses B et qui ménage les choses les choses chères. Choses B, il y a des choses qui sont dans la notoriété ou dans la viralité de la marque Terry. Choses chères, il y a des choses qui vont partager avec un commentaire négatif ou qui vont faire des bad buzz. Voilà. Donc, il faut très très bien connaître.